Voilà, je tenais à lever ce doute avant tout. Séverine dans le jardin, d'accord, pour ceux qui auraient encore des doutes, eh bien à partir du moment où elle n'est pas filmée, où il n'y a pas la caméra, d'accord, se consacre, eh bien, à son fauteuil et à sa chienne et ne travaille absolument pas. Voilà, pour ceux d'entre vous qui auraient encore des doutes à ce sujet, être sûr que... Non, ça va. Eh bien voilà, hein, sachez-le. Séverine ne fait pas grand-chose au jardin. Voilà, la preuve en image. Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver donc sur cette belle journée d'automne. On va sans doute avoir un peu de pluie. Le jardin semble un petit peu moins en déficit que cet été au niveau de l'eau, mais ça sera quand même toujours le bienvenu. Alors, la saison s'achève, hein, clairement, on a un petit peu achevé un certain nombre de récoltes là. Bon, il reste encore quand même pas mal de légumes, vous pouvez le voir, mais il y a des cultures pour lesquelles c'est presque terminé. On est en train de finir de récolter les haricots blancs de Flandre, par exemple. Il y a encore quelques haricots verts par là-bas. Les poireaux sont en train de continuer leur croissance, néanmoins. Mais bon, pour un certain nombre de plantes, c'est terminé. On a commencé à libérer un certain nombre d'espaces. Et donc, on va pouvoir aussi commencer à préparer un petit peu notre sol, eh bien, pour l'année prochaine avec le foin, hein, comme on l'avait fait l'année dernière, à une petite différence près. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur notre terrain, sur la surface que nous avons là, il faut apporter à peu près 300 kilos de matière sèche chaque année, idéalement pour compenser, eh bien, les exportations, etc. Voilà, en termes de matière organique, 300 kilos l'année, c'est à peu près ce qu'il faudrait pour ce terrain-là. Lorsque j'amène une balle de foin comme celle que vous avez pu voir sur la vidéo correspondante, eh bien, à l'automne dernier, finalement, fin d'automne dernier, début d'hiver, une balle de foin comme celle-là nous ramène environ 200 kilos de foin sur le, pardon, 200 kilos de matière sèche, donc 300-350 kilos quasiment de foin, 200 kilos de matière sèche sur le potager. Or, cette matière sèche n'est pas mise à disposition immédiatement. Si on regarde ici, voilà, vous voyez bon, le dessous commence à clairement bien se décomposer, mais ce foin est toujours bien présent et n'est pas complètement décomposé. Donc les 200 kilos de matière sèche dont je vous parle ne sont pas assimilés durant l'année par le jardin. C'est pourquoi on va apporter aussi une petite quantité de crottin. Alors on va en parler de manière plus précise. On a démarré un petit peu là les apports de crottin sur le terrain. Et par rapport à l'année dernière où on avait commencé ces apports de crottin un peu tard en saison, là je commence déjà maintenant. Et pour les premières parcelles sur lesquelles je vais apporter cette matière organique-là spécifique, eh bien, ce crottin aura, si on calcule bien, environ 6 mois, disons, pour être pris en charge par les organismes de notre sol et se dégrader correctement. Alors, nous voilà donc devant une parcelle que je suis en train de recouvrir de crottin. Alors, il y a aussi, on peut le voir ici, un peu de déchets ménagers, hein, de déchets verts. Là, on en retrouve un peu ici. Voilà, ici en dessous aussi, ça ce sont des résidus, ou alors voilà, des résidus de salade, etc., des épluchures, bon, qu'on avait préalablement installées ici sur cette parcelle qui a été libérée par les pommes de terre. Et puis voilà, nous voilà donc avec ce crottin que je suis en train d'installer qui va apporter la matière organique dont j'ai besoin sur le potager. 80% à peu près de matière sèche sur le crottin, donc il faut compter que j'apporterai 350 kilos environ, peut-être un peu plus, de crottin sur le potager à partir de maintenant et jusqu'au printemps, au fur et à mesure de la libération de la place, enfin voilà, des cultures qui vont s'achever sur le potager. Ça c'est important. Ensuite,
ce qu'il faut savoir, c'est que ce crottin va donc 360 kg, 350, 360 kg, ça va nous apporter environ 9 kg d'azote, un azote organique, hein, pas un azote minéral, donc cet azote aura besoin d'être minéralisé, etc. Ça va prendre un certain temps par les organismes du sol. Il y aura à peu près 6 kg de potasse apportés et plus ou moins 3 kg d'acide phosphorique. Voilà, c'est vraiment... on est d'accord, on peut pas parler d'engrais, hein, selon moi, au sujet de ce produit, hein, qui est vraiment plutôt, je l'ai déjà dit, hein, un activateur vraiment de la vie de notre sol. Alors, il y a une chose aussi importante à préciser, c'est que ce crottin doit être absolument recouvert de foin, en tout cas dans l'itinéraire technique que nous avons choisi. Alors, pour des raisons très très simples à comprendre. D'abord, le crottin ne sera pas fouillé par les oiseaux de cette manière, car les oiseaux vraiment raffolent de toutes les bestioles qui vont très très vite se développer dans ce crottin. Donc ça, c'est une première chose, c'est assez important. Et ensuite, le développement d'adventices, hein, éventuellement, le crottin quand même peut receler un certain nombre de graines, etc. Et c'est vrai que les adventices peuvent se développer plus facilement dans le crottin qui est exposé à la lumière que sous le foin dissimulé de la lumière comme on est en train de le faire ici, quoi. Voilà. Donc là, Séverine est en train de préparer la parcelle. Ça va être recouvert d'une bonne couche de foin là qu'on a par ailleurs récupéré sur le potager. Et cet endroit-là, cette demi-parcelle ici, sera à l'issue de cette opération, eh bien laissée telle quelle. Jusqu'au printemps prochain, hein, en espérant que ce foin se soit de nouveau tassé avec les intempéries hivernaux et nous permette la découpe facile, eh bien, de route, hein, comme on a pu le faire cette année. Hein. C'était tout à fait idéal comme ça. Donc ça m'amène finalement à vous parler un peu de notre sol. Très clairement, le sol ne sera pas travaillé sur l'année 2018. On est convaincu du bien fondé de cette pratique sur notre toute première année, hein, 2017, passée dans ce potager. Le sol ne sera pas travaillé et en revanche, nous continuerons l'arrosage un petit peu sous la serre durant tout l'hiver. L'idée étant de ne pas obtenir une poussière, hein, au niveau du sol dans la serre, mais bien un sol vivant de qualité à peu près égale à celui-ci. Donc on va simuler la pluie en quelque sorte, hein, et de manière assez régulière, je prendrai soin d'arroser un petit peu sous la serre. Voilà, donc le crottin qui est planqué quelque part bien à l'abri de la lumière et bien à l'humidité sous ce foin présente un C sur N, hein, un rapport C sur N d'environ 25 à 30, ce qui est tout à fait idéal, hein, donc c'est encore une fois peu azoté, clairement. En revanche, ça va nous aider à produire un humus tout à fait stable, hein, vraiment souhaitable. Disons dans le processus d'aggradation de notre sol. C'est très important à plus d'un titre, hein, finalement. Il y aura donc associé à ça le développement aussi de toute la microfaune dont on a besoin dans notre sol. Cette microfaune va assurer un certain nombre de services écosystémiques, je pense qu'on peut les appeler comme ça, notamment une régulation ou peut-être une protection un peu de nos cultures vis-à-vis d'un certain nombre de bio-agresseurs. Hein, ça passe par une bonne diversité, notamment au niveau de la faune du sol, même si ça passe également par une bonne biodiversité au niveau aérien, je dirais, hein, au niveau de ce qui se passe par ailleurs. Ça va également nous permettre de maintenir une très très bonne structure au niveau de notre sol, et ça c'est important, notamment en termes de rétention en eau. Hein, on a pu constater déjà là cette année qu'on avait une structure
pas trop mauvaise en tout cas, et qui nous permettait de retenir suffisamment l'eau sans excès. Hein, ça, je pense que c'était intéressant de le constater, et que c'était probablement le résultat de l'apport de chaux que j'avais réalisé en début de saison, il y a à peu près un an là encore. Et on va également essayer de recharger nos allées en copeaux. Hein, voilà, c'était des gros copeaux de bois, mais je vois que ça a été effectivement pas mal attaqué par les champignons notamment. Et au-delà de l'intérêt de nous avoir permis de travailler tout le temps les pieds secs, vraiment, je suis convaincu que le réseau mycélien, et en particulier mycorhizien, dont nous avons besoin sur les cultures, s'est parfaitement développé grâce à ce bois que nous avons apporté entre les planches qui font chacune 1,20 m. Hein, voilà, pour vous donner une idée un peu de la récurrence de ces allées comme ça de copeaux, tous les 1,20 m, voilà, il y a une nouvelle allée, et je pense que les champignons n'ont aucun mal à se développer, y compris par-dessous les planches de culture, et de coloniser un petit peu les racines de nos légumes, et de les alimenter d'autant mieux, pour le coup, en phosphore notamment, et en eau et autres éléments indispensables à la vie et au bon développement de nos légumes. Alors notre jardin donc est géré dans le cadre d'une association, et il n'y a pas grand chose qui se fait sans qu'un certain nombre de personnes se bougent, et c'est le cas du président et puis d'autres membres de l'association qui ont réussi, et je les en remercie vraiment, à nous obtenir voilà une cuve de ce type là, et puis à la raccorder à la toiture de ce garage, ce qui nous permettra de bénéficier d'un peu d'eau sur le jardin, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. On a dû apporter notre eau à chaque fois qu'on en avait besoin. C'était pas très simple. Ça va grandement nous améliorer la vie. Donc voilà, vraiment un grand merci pour ça. On aura aussi l'occasion, en parlant de la gestion de l'eau sur le jardin, vous savez que le paillage nous permet de cultiver avec des besoins en eau relativement faibles, néanmoins il y a toujours la serre, et on aura le plaisir cette année de vous présenter un nouveau dispositif qu'on va mettre en œuvre dans la serre spécifiquement, de manière à essayer tout au moins de gérer l'eau, hein, la consommation en eau de nos végétaux, de manière plus efficace que cette année, quoi. Hein, là, on s'est contenté d'ouvrir la serre et d'arroser de temps en temps. On va essayer de partir sur un autre système en cours d'année 2018. Voilà, on en reparlera le moment venu. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh, tu vas glisser. Oh. Alors, au niveau du fleurissement au jardin, il y a des choses pour lesquelles on va continuer sans se poser de questions. Ça a plutôt pas mal fonctionné. Je pense notamment aux dahlias qui ont vraiment joué leur rôle de plantes attrayantes, particulièrement de plantes martyrs, hein, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, au niveau des limaces. Les capucines, alors là, grosse connerie, hein, je pensais pas que ça prendrait une ampleur pareille. Elles seront l'année prochaine toujours présentes dans le jardin, toujours les bienvenues dans le jardin. Néanmoins, elles seront situées plutôt sur le côté de la serre et non plus à cet endroit-là, quoi. En ce qui concerne les têtes de planches, hein, que nous avions fleuries avec du gazon fleuri cette année, le travail va consister à arracher un petit peu toutes les annuelles, hein, qui ont séché donc et qui ont monté en graines. On récupérera sans doute un certain nombre de graines au passage, et on va essayer de retravailler le sol, mais de manière très 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 précise, pour le préparer à l'installation du nouveau gazon l'année prochaine, en préservant toutefois les quelques vivaces qu'il y avait dans notre mélange fleuri, et puis les quelques bisannuelles également, hein. Il y avait un certain nombre de bisannuelles dedans. Bon, ça serait dommage de faire table rase et de redémarrer l'année prochaine avec des bisannuelles qui ne vivent finalement que la première partie de leur cycle. Hein, donc on va essayer en tout cas d'être un petit peu attentif à ça et respectueux de ces plantes-là.
Je reviens vers la serre également en termes de fleurissement au sujet des œillets d'Inde. On a eu des œillets d'Inde qui faisaient 60-80 cm de hauteur hein, et qui prenaient un volume pas possible. Donc si on resème les mêmes œillets d'Inde, eh bien on les mettra en proximité de la serre, en proximité immédiate, mais pas dans la serre comme cette année, c'est beaucoup trop grand, ça prend beaucoup trop de volume. Voilà un petit peu pour les fleurs au jardin sur la projection 2018. Pour dire un petit peu un mot peut-être des ennemis un peu du potager, on va les qualifier comme ça pour l'exercice. Au niveau adventice, on a vraiment, encore une fois, avec cette méthode, eu assez peu de désherbage. Hein, au moment de la cueillette, allez, on va enlever quelques... Voilà, j'ai les poireaux là sous les yeux, par exemple. On va enlever quelques mauvaises herbes, peut-être, entre les rangs de poireaux. Enfin, voilà, c'est pas grand-chose. Hein, c'est vraiment... L'essentiel est couvert par le paillage. Et vraiment, vraiment, les plantes dites adventices se développent très, très peu. Par ailleurs, j'ai eu quand même un foyer de chenilles de pyrides à un moment donné sur les choux. Je suis intervenu à la main, voilà, je les ai retirés et puis c'est tout. On n'en parlait plus. Hein, c'est pas quelque chose qui a nécessité une intervention plus compliquée que ça finalement. On n'aura vraiment pas constaté de problème particulier. Le mildiou, je n'en ai pas entendu parler du tout cette année. La serre a très très bien donné en tomates. Alors bon, j'ai pas filmé hein, les récoltes. Enfin voilà, c'est un potager. Vous le voyez, hein, il est bien fourni. Ça, on récolte. Hein, clairement, je vais pas vous bassiner avec. Avec des films de cet ordre-là, je vais peut-être vous passer une photo ou deux. On a récupéré des betteraves de plus de 2 kilos, quelques tomates qui étaient aussi énormes, notamment la cœur d'Albenga que je vous recommande vivement. Elle est très très bonne. Donc voilà, pour le mildiou, pas de problème particulier. On a été un peu ennuyé peut-être avec les campagnols, bon, qui, je vous l'avais expliqué en temps voulu, nous ont soulevé un certain nombre de plantes, mais qui, curieusement, ne se sont pas livrés vraiment à la consommation, notamment de légumes racines, comme j'aurais pu le craindre. Hein, j'ai pas constaté vraiment de prélèvement de la part des campagnols. Ils ont plutôt été gênants dans leur déplacement, notamment dans le potager. Bon, seulement les plus petits, hein. Voilà, tu fais attention à ce qu'ils grandissent pas trop, surtout. Tu prends bien les plus petits. Ouais, c'est bon, voilà. Ouais. Essaye de bien les sélectionner, hein, ouais. Qu'on se régale. Bon, donc voilà pour conclure. Hein, première année qui s'achève tout doucement. Encore une fois, il y a encore quelques semaines quand même de récolte devant nous, mais ça vient bon. Première année de potager hein, de notre existence à tous les deux. Première année super satisfaisante. C'était vraiment excellent de pouvoir se régaler de nos bons légumes. C'était super de pouvoir échanger avec vous tous. On va continuer avec grand plaisir. On vous retrouvera sans doute ici d'ici quelques semaines là en cours de d'automne, peut-être d'hiver, hein, avec les peut-être 2 ou 3 travaux qui vont se tenir ici. Et puis, bien entendu, on resigne pour une année, encore une fois, avec le même itinéraire technique, à quelques adaptations près, puisque l'expérience nous a montré que c'était plutôt satisfaisant et qu'on pouvait obtenir de très très belles cultures de cette manière. Sans jamais travailler le sol, hein, voilà. Merci de nous avoir suivis, et puis je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao.